Un prince héritier qui adopte une posture peu conventionnelle. C'est, en ces termes, que l'on pourrait résumer le contenu d'une séquence guerre ordinaire qui a été offerte aux téléspectateurs de la chaîne de télévision publique danoise DR1, le samedi 7 janvier. Dans une vidéo hilarante enregistrée en marge du Gala des Sports 2022 organisé à Herning, Danemark, et repéré par le site internet Histoire Royale, le futur roi Frédéric a appliqué à la lettre les consignes données par un chanteur, qui avait enjoint le public à s'allonger au sol pendant sa chanson. Cette chaîne de télévision danoise organisait ce week-end son gala annuel ayant pour vocation à récompenser les meilleurs sportifs de l'année, mais également un certain nombre de bénévoles et de responsables qui évoluent dans le milieu sportif. Comme chaque année, le prince héritier Frédéric, âgé de 54 ans, a pris part à cette nouvelle édition qui s'est déroulée la veille du 12e anniversaire de ses deux jumeaux, la princesse Joséphine et le prince Vincent. Frédéric de Danemark, ce titre insolite dont il a hérité au cours de cet événement, le coureur cycliste danois Jonas Vingegaard, qui a remporté l'édition 2022 du Tour de France, a notamment été récompensé. Le prince héritier Frédéric a aussi remis à la joueuse de tennis danoise Caroline Wozniacki un prix honorifique, poursuit Histoire Royale. Mais c'est une autre séquence de cette cérémonie qui a été particulièrement visionnée sur les réseaux sociaux. Alors que le chanteur Benjamin Achavé avait pour mission, aux côtés des membres de son groupe, de clôturer la soirée, l'artiste a demandé au public, à la fin de sa troisième chanson, de s'accroupir comme lui, puis de s'agenouiller, avant de s'allonger entièrement au sol. Sans hésitation, le futur roi s'est exécuté. De quoi laisser un souvenir inoubliable aux invités présents autour. Il y a quelques mois, lorsque Charles III est devenu roi, à la mort de sa mère la reine Elisabeth II, décédée le 8 septembre 2022 au château de Balmoral, Frédéric de Danemark avait hérité d'un titre insolite, celui de prince héritier le plus âgé d'Europe. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Dana Presse.